Donc, tu vois arriver ces créatures de part en part. Qu'est-ce que tu fais, Bob ? Ils nous encerclent ! Attention, Grunlec, sur la droite ! Et je tire la boule de feu, moi, à gauche. Shin, oui, tu fais un tour d'horizon d'observation ? Ouais, voilà, parce que vu qu'on est au centre de la scène, si on peut bien observer et voir combien il y en a qui nous sautent sur le rable. Ah, oh, il y en a une derrière Bob ! Bah, forcément. Forcément. De toute façon, je peux pas bouger, je suis en caste. C'est mort. C'est-à-dire, je la charge depuis un tour et demi. C'est vrai, soit elle te pète dans les mains, soit tu la lâches. Et bon, bah, tu as la chance, il y a ta créature invoquée, Bob. Donc du coup, si tu lâches ta boule de feu et que tu tues ton invocation, ce n'est pas bien grave à part... Ça me coûtera un spell, on attendra demain après-midi, puis ça sera réglé. Voilà. Pas... Lance ta boule de feu, Bob. Bah, tire. Attends, merde. Mon truc qui s'est annulé, attention, vas-y! Il devrait passer! Oui, il devrait passer de. Rien! Voilà, on est bien d'accord. Ah, tu t'es brûlé les doigts en tirant. Rien! Aïe. C'est la panique, tu vois? Si lors qu'il y a une situation de stress. Non. Mais, tu as pour toi de l'avoir préparé depuis tout à l'heure. C'est surtout ça. Donc, alors que tu tires donc avec la boule de feu... Comme quoi, j'ai bien fait, hein. Putain. Ah, j'ai pas de chance. Ça, j'ai pas de chance vraiment... pour les jets importants, en fait. Hein. Dès que... C'est... Donc, tu fais une explosion qui se produit ici. Oh, damn. C'est la première fois que j'ai réussi un sortilège à un moment c'est important. C'est trop joli. Ça marche. C'est la première fois que j'ai réussi un sortilège à un moment important. Je demande des applaudissements. Ah, ouais. On va manger de l'araignée grillée. Ah, putain, merci. Ne t'habitue pas trop vite. Ah, je m'habitue pas. Hein. Il m'a fallu du temps pour le réussir, celui-là. Et encore, c'était à ça d'échouer. Un point. Donc alors que tu tires donc ta boule de feu qui explose, tu entends des cris stridents des araignées qui sont dans l'air de l'air des fées, de l'air des fées de la magie. Et tu les t'entends des cris horribles, et tu ne peux t'empêcher d'avoir une petite pensée pour Grunlec qui n'aura que très peu de travail à effectuer pour cuisiner tout ça. Donc tu, Shin, tu vois derrière Bob l'araignée arriver, toi Grunlec tu vois au-dessus l'araignée arriver. Toi Théo, pendant ce temps-là, alors que tu étais averti par Bob, et qu'il y a l'araignée, donc celle-là, celle que tu peux voir ici. Oui, avec la grosse. La grosse qui tourne, qui crame, tu sais qu'elle n'est pas morte, ça t'en est sûr et certain. Elle bouge, elle est complètement cramée, c'est-à-dire que tu vois plus aucun poil sur elle tellement elle a pris cher. Tu vois Théo arriver donc, alors que tu étais averti par Bob et que ton attention maintenant a été captée par l'environnement alors que tu as donné un coup à l'araignée géante. Tu vois que ici, je sais pas si tu visualises. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc il y a une araignée qui arrive. Donc, tour de table, qu'est-ce que vous faites ? Chacun, je vais m'occuper de l'araignée sur la droite. Alors, tu n'as pas le temps de mettre un carreau dans ton arbalète ? Non, j'y vais. C'est le carreau, ouais, voilà, c'est la plus proche, tu lui mets un plaquage dans la gueule et... Un plaquage avec l'araignée, tu en utilisant mon bras mécanique. D'accord, tu comptes lui faire une descente de coude ? La technique du marteau pilon. Ok, d'accord. Là, tu fais un roulis avec le bras comme ça, gomo gomo no. On sent pas du tout les inspirations. À peine. Ah bah oui, mais je suis normal. Donc tu charges l'araignée, je te laisse faire un test de physique. Toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, Shin ? C'est Théo d'abord. Je pense que je vais taper le boss avant de taper les ZAD. Ouais, charge-le, écoute, t'as toutes tes chances. Hein. Ouais, je sais, c'est des termes... Ta lance, par contre, ta lance... C'est dissoute, je pense. Ouais, il y a des chances à ce qu'elle a pris elle-même cher, quoi. Elle était hyper fragilisée, il y a des chances à ce qu'elle pète au premier coup ou quelque chose comme ça. Je vais charger vers l'araignée alors. Je vais la finir. Tant qu'elle est encore secouée par le tonnerre,
Je vais la finir. Très bien, tu fais très bien. C'était une boule de feu Michael Bay si elle continue d'exploser. C'est l'explosion dans l'explosion. C'est exactement ça. Ça jamais, tu sais. Donc tu charges, tu as fait ton test, donc Grunlake de 48. À toi de faire ton test, Théo, pour l'araignée géante. Très bien. 47. Non, plus qu'il y en a un qui fasse 46 ou 49, c'est nickel. Tu as fait ça, donc Grunlake, tu arrives au corps à corps contre l'araignée, tu as fait 48. Tu saisis la créature, je vais faire un test, parce que comme elle est arrivée vite, elle aura peut-être le temps de vous surprendre, je vais vous faire un test pour voir si elle fait un meilleur succès que vous. Et le premier test de l'épisode, c'est bizarre, ça arrive encore à moi, apparemment, je sais pas. non, mais je pense que c'est un complot. Et donc alors que tu la saisis donc au niveau de la tête, elle bondit et la force est telle que tu te retrouves sur le dos, Grunlake. Et tu vois qu'elle a un petit dard qui commence à émerger de son ventrail et qui s'approche dangereusement vers toi. Et alors que tu es en train de débattre avec l'araignée, il y a Théo que tu arrives. Je siffle pour voir peut-être que ça peut attirer le loup pour m'aider. D'accord, très bien. C'est propre, c'est une bonne idée. C'est une belle action. Et bien sûr, j'essaye de mettre mon bras en défensif si je peux. Mais bon. Il y aura un lancer pour le loup, ça serait trop bien qu'il te snob. Rien à foutre. Tu sais, il te mord à toi. C'est ça. Il mord la main de Chine de nouveau. Donc, en effet, donc le loup arrive. Et alors que tu es en train de te débattre avec l'araignée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Théo, pendant ce temps-là, tu arrives. Toi, planté, t'as plus de lance, donc tu as ton épée, j'imagine, que tu dégaines. Oui. Donc tu dégaines ton épée, tu as fait un test, tu as fait 47, tu arrives. Du premier coup, tu donnes un coup sur l'une des pattes de l'araignée alors qu'elle bouge. Elle ne fait pas attention à toi, elle est trop préoccupée. Ça va dans tous les sens, hein. C'est absolument dégoûtant. Et la créature saigne donc en partie sur toi, évidemment pas de l'acide, hein, je te rassure. Mais alors qu'elle a les autres pattes, tu as suffisamment attiré son attention. Elle est gravement blessée, tu t'en doutes. Il va falloir que tu l'achèves et vous allez échanger un dernier. Vous allez échanger une dernière fois avant de la dissoudre, j'espère, pour toi. Donc, tu as la créature qui est sur toi, Grunlake. Et il y a le loup qui va faire son test. 48. Donc, elle saisit. Il a hésité. Il a hésité, mais il y va. Donc le loup, en fait, ce qui se fait, c'est qu'il saisit la patte de l'araignée et il tire en fait par la patte de l'araignée pour la dégager de toi, en fait, alors que tu as le dard qui va rentrer dans ta chair. Tu vois que au dernier moment, en tirant la créature, eh bien le dard ne rentre pas en fait dans ta chair. Donc elle recule, en fait, elle tire en mordillant, donc en mordant très fort l'une des pattes de l'araignée. Elle tire l'araignée et pendant ce temps-là, donc toi, Chin, qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'araignée. Je suis un peu circonspect, c'est quoi ce spectacle? Donc tu vois l'araignée. Moi je m'occupe de celle qui est derrière Bob, parce que j'imagine qu'il doit être un peu fatigué avec tout ça. Non, c'est surtout que je l'ai pas vu, quoi, en fait. En plus, surtout, ouais, je suis là, c'est clair. Ouh, je suis trop fort! Je suis le meilleur match. C'est ça, c'est ça. Araignée Shinobi. Ah ouais, c'est le visage. C'est le truc qui commence à bouger, genre. Elle me remplit, elle me remplit. Bon, au lieu de faire le malin, Chine, tu devrais faire ton test pour voir si tu tues pas Bob. Allez, 46. Ça va. 36, ça va. 10 de mieux, je suis d'accord. 36. Et t'es doué pour tirer des flèches à travers ma robe. T'as fait 36, t'as réussi un test à presque 40, Chine. Donc, tu tires et toi, tu vois Bob, alors que tu es concentré, tu es comme ça. Pourquoi il me tire dessus? Je suis trop fort! Encore un trou dans la robe. Pour une fois que t'as fait une boule de feu qui a tué personne. Ouais, si, mais qui a tué les bonnes personnes. Ouais, les bonnes personnes, oui. Important. Et peut-être qu'en effet, Shi ne supporte pas ta mégalomanie et du coup, bande son arc en ta direction.
Il te regarde et là, tant pis, sa flèche. Tant pis, je mourrai, mais en ayant réussi quelque chose, vas-y, je te montre comment meurt un mage. Et la c'est flèche Cléopâtre. Part, et tu entends dans, au niveau de ta nuque, t'entends un cri terrifiant. Bob. Et la créature, donc, en ça, plein saut. Ça pro... Oui. Oh, bien joué. Alors qu'elle saute en ta direction, elle bondit vers toi et t'entends un cri horrible. La flèche vient se cristalliser dans son crâne et elle tombe en arrière. En bullet time, moi je tue à chaque fois en bullet time. Chaque fois c'est ralenti, slow-mo. Il tire la flèche qui tournoie sur elle-même, ça fait aucun sens, mais... qui font un peu dans l'air comme ça. C'est ça. Ça perle un peu, ça perle. Ah oui, c'est des petites... L'effet mou ouais, comme petits... ça, c'est... Ouais, ça tu, as fait, un peu comme ça. Tu as coupé une patte de l'araignée géante, Théo. Grand Lake, tu es très, dans une position très inconfortable. Le tour est terminé. Et j'ai pas de tour, moi, du coup. Bon, d'accord. Ah, en effet. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, est-ce que, à ton avis, je peux tenter de tirer une boule de feu sur l'araignée que je vois s'approcher? Ou du moins un sort qui est pas aussi gros que celui que j'ai chargé pendant un quart d'heure. Mais tu sais, la boule de feu classique, le Hadoken, quoi, ça devrait suffire pour un machin de cette taille. À mon d'accord. avis, j'ai toutes mes chances. Ça devrait être mon deuxième spell, j'ai plus rien après, mais comme je suis à peu près safe, si on peut confirmer que l'araignée derrière moi est bien morte... Vas-y. Écoute, hein. Adieu, va. Hadouken. Foiré. Bah, tant pis, ça sent pas. De 1. 76. De 1, ouais, tant pis. Ok, mais de 1, mais c'est pas dramatique. Disons que tu as le pouvoir donc qui émerge quand même. Enfin, demain, ça veut dire qu'au moins je touche pas un de mes potes avec, quoi. C'est ça qui est essentiel. Je pense que tout le monde va faire la fête pour ça. Ouais, non, mais tu vois, c'est déjà pas mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton sortilège s'arrête trop près et explose à peu près à ce niveau-là, en fait. Tu vois. Au niveau de Sakura. Ah, c'est ça. Est-ce que j'ai le temps, après de voir que l'explosion a raté, de dire justement à Sasuke que j'ai foiré mon coup? Non mais je l'ai vu, j'étais à côté, donc... Et donc la boule de feu explose à côté, et l'araignée donc arrive... J'ai foiré et... derrière toi, foire pas ton cou. Non, personne n'entend rien du tout, hein, si tu essaies même de crier. Il y a trop de flammes, trop de cris, à ce moment-là, donc l'araignée bondit sur ton dos. Ah non, j'ai pu sauver personne. Hein. Mes spells qui ratent déjà tout le temps, mais c'est une honte, c'est terrible. Je vais peut-être changer de nom, je vais changer de classe, je vais changer de jeu, je vais changer de pseudo, je vais changer de dé. Commence par changer de MJ, tu réussiras plus. Ah non, laisse tomber, c'est le rôle qui m'aime pas, le PC qui me... Donc, alors que t'es en train de regarder Bob, Shin, en train de faire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi moi? À ce moment-là, donc tu plonges au sol et tu as une araignée sur le dos et elle plonge donc ses pattes dans ta chair. Pendant ce temps-là, Grand Lake, tour de table. Donc. Est-ce que je peux essayer de, je sais pas, frapper ou de saisir au niveau du dard pour l'arracher ou je ne sais oui, quoi. Oui, tu peux. Vas-y. Bah, j'essaye. Vas-y. Je compte sur toi, petit. Succès critique. 85. Je me sens moins seul. Donc 80. Donc alors que tu saisis le dard, en fait tu le saisis mal, c'est-à-dire que tu vois, là t'as le dard, là t'as ta main, et tu l'as saisi. Ce qui n'est pas très très mal. S'il te plaît. Et donc tu t'entends gratter à l'intérieur de ta paume, et t'entends les mécanismes de ton bras s'alarmer. Donc, et Théo. Donc tu sens que si tu places bien ce coup, Théo, il y a moyen que tu achèves cette araignée avec tout ce que tu lui as déjà fait. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, j'essaie de finir, après tout, je ne suis pas le personnage principal de cette aventure. Oui, et puis toi, depuis tout à l'heure, tout va bien, hein, tu fais pas ta tambouille avec les araignées mutantes of Doom. Non, lui, il est en train de hacker et slasher le boss qui est à moitié mort, de toute façon, ça passe, c'est ça. Fais-moi un test. Il faut que tu le frappes. De mental, de physique. Ah, 74. Je crois que j'ai raté. Non, si, je pense que tu l'as réussi. Ah, si, 65 plus 15, avec la. C'est la lame. Ça fait combien? Ça fait 85, oui. C'est bon. C'est bon, donc tu abats ton épée lourdement au niveau de son crâne, t'entends un craquement comme si tu donnais un coup dans une pastèque, et du sang gicle, et lourdement, la créature tombe au sol, et dans un soubresaut, ce qui se passe, c'est qu'elle se met vivement sur le dos en fait, et tu as le reste, c'est cette
d'Enanapath qui s'agitent en fait et qui se crispent en fait à l'envers. Comme les araignées quand même meurent. Elles viennent mourir. Voilà, exactement. Et tu peux donc, si tu veux, faire la danse de la victoire ou prendre, manger un sandwich pendant le que gars, les autres se battent. Le gars qui fait le jet pour faire toilette. Nous, on est en train de mourir. Oui, voilà, nous, on est en train de se battre, on est à terre, on est en train de se faire bouffer par les araignées et le mec qui danse au milieu. Oh, oh, quel champion, c'est oh, le oh, meilleur. Qui c'est le meilleur. C'est le moonwalk. Qui c'est le gars qui ignore son groupe et qui a embroché le gars qui était en danger. C'est clair, le paladin. Le paladin. Le paladin de folie. Alors, qu'est-ce que tu fais, Théo? Écoute, du coup, je jette un regard en arrière pour me rendre compte de la situation à l'arrière. Disons que c'est pas très folichon. Hein. Oui, voilà. Ça. je fais faire demi-tour au cheval et je charge dans l'autre sens. D'accord, je te laisse déplacer ton personnage pour charger. Charge le dos de Shin. Toi, ce qui il se passe. Il va me rouler dessus. Non, t'inquiète pas, j'arrive. Tu es en danger comme ce nain que j'ai tué il y a 5 minutes. Laisse-moi t'aider. Tu es blessé, je pense que tu es foutu. Comment préfères-tu que je t'aide? Théo, c'est ça. Grunleck, dis-moi comment tu souhaites mourir. Grunleck, donc tu as ton bras qui s'affole et qui se crispe d'un seul coup et qui se retourne dans l'autre sens en fait. Suite aux attaques de dard de la créature qui a injecté entre les plis, entre les mécanismes de ton bras, du venin, de l'acide ou tout ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que tu fais, Grunleck? J'essaye de me débattre tant bien que mal, hein. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Sectionne. T'as pas un bouton, t'appuies non, et ça je sectionne pas mon bras mécanique. C'est ton bras mécanique, c'est un bras mécanique, c'est le but. Fais-le exploser. Je peux t'autoriser si laser comme Astro Boy. Autodestruction. Si tu veux, alors c'est un marché. Hein. Grunleck, si tu veux, je te laisse faire un test mental. Avec un test, hop, tu as combien mental? Tu as 70. Ouais, est-ce que je peux puiser dans mes ressources pour essayer d'utiliser les capacités un peu particulières de mon bras? Parce que là, c'est vraiment le moment où c'est critique. Je te fais faire un test si tu veux à moins 10% et tu seras blessé, ça puise dans ton énergie vitale, sachant que le contre-coup, si tu loupes, c'est qu'il va se passer un truc. T'imagines trop, du bras, c'est t'as une passoire qui sort, qui commence à taper l'araignée. C'est ça. On peut le faire, concentration. Putain. 89. Ouais, voilà, vous êtes content, vous attendez que ça. T'as pas pris la bénédiction d'absorption de l'échec. Bah, on y est tous passés, hein, j'ai envie de dire. Donc. Eh bien, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as... un truc indescriptible qui se passe, que toi tu vas pas pouvoir savoir exactement ce qui se passe parce que t'es limite en transe. Il y a ton bras qui s'ouvre en deux. À ce niveau-là, ça s'ouvre en deux, comme la bouche d'un crocodile. Il y a l'araignée qui comprend pas trop ce qui se passe et ça se plie dessus. Et quand ça se plie dessus, ça la broie et tout ce qui fait l'organisme de l'araignée commence à s'intégrer à ton bras. Tu commences à être pris de tremblement alors que tu as ton bras qui commence à fusionner avec l'araignée. Le loup hésite et recule. C'est mieux, c'est bien. Je pense que le loup a vu assez de conneries pour aujourd'hui dans toute une vie de loup. Il se dit qu'il y a un truc pas normal. Alors qu'il y a ton bras mécanique fait de cette technologie un peu mystérieuse qui commence à prémâchouiller l'araignée qui explose, qui commence à exploser de part en part, elle commence à diluer de l'acide entre les plis de ton bras mécanique. T'es en train de faire un Akira, mon grand, c'est la violence. Et donc, Théo, toi, tu es en train de charger, et alors que t'entends les cris efféminé de Shin avec l'araignée sur son dos. Justement, lui qui a commencé sa charge au début de sa toute première action, je voulais tenter de tirer une boule de feu sur l'araignée sur le dos de Shin. Il va prendre des PV. Non. Si viens de foirer à l'instant, ça suffit. Ah, bah écoute, t'as plus de boule de feu. La troisième fois, c'est la bonne. J'ai une araignée sur le dos, j'entends Théo en train de me charger derrière. Pour une petite je boule flippe de feu, pas mal. Pour une petite boule de feu, je pense que je peux puiser soit dans mes points de vie et dans le démon ou dans quoi que ce soit. Je pense que je peux la faire. Tant pis, je puise dans tes points de vie, je te suggère. Je vais perdre 4 PV, j'imagine, mais c'est pas grave.
Sachant que si tu réussis bien, tu touches l'araignée précisément. Si tu touches mal, il y a Théo qui arrive. Bon, j'ai combien du coup? J'ai 70. Si tu touches mental. Très très mal, tu peux cramer Shin et Théo. Ah bah écoute. Si tu réussis très très mal, tout le monde meurt, c'est la fin, on arrête le tournage. C'est ça, moi je rentre chez moi, attention. Est-ce que vous voulez bien me faire une bénédiction et m'absorber tous les mauvais jets là? Allez-y. C'est bon, tu peux pas faire pire que Grunlec. Je suis assez encore. Allez, vas-y. Attention, 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 je cherche le cosmos. Hadouken ! Première fois de ma vie que j'ai réussi un sort précis, chirurgical, en faisant deux fois moins que le score requis, s'il vous plaît. Ça fait 30. Alors que tu tires, Bob, précisément, donc il y a Théo, donc toi qui arrives, le deuxième tir qui survient, donc le troisième, pardon, qui survient, Bob, tu vas, et à ce moment-là, donc si tu veux, toi, comme c'est super bien coordonné finalement, ce qui peut se passer, Théo, c'est que avant de poursuivre ton chemin vers Shin, tu peux aller vers Grunlec. Si effectivement je vois que Bob s'est occupé de l'araignée sur Shin, je vais aller vers Grunlec. De toute façon, c'est le chemin, hein, il faut. D'accord. Je perds combien de PV pour cette boule de feu? 4 ou 3? Oui. 4 ? 3. 3, d'accord, c'est gentil. Bon, enfin, on regarde un peu ce qui se passe avant de venir, peut-être. Donc toi, du coup, elle a été soufflée de mon dos a été brûlée? C'était le Hadoken, elle a perdu, elle est morte. Ouais, elle t'as a été soufflée. T'as peut-être un tatouage alors de d'araignée dans le dos maintenant. En fait, en fait, toi, Fizz, ce qui s'est passé, Fizz Shin, donc ce qui s'est passé, c'est que la créature a donc commencé à te griffer, à te lacérer le dos avec ses pattes et s'apprêtait à planter son dard donc dans ta chair. Eh bien, il y a une sorte de gerbe de flamme qui est partie et qui l'a soufflé littéralement. Et t'as entendu un... Ah, c'était le coup de sniper sur le dos qui t'a shooté le truc. Je suis fier de moi, là, pour une fois, c'est... Et tu peux finir genre comme ça, tu sais, Bob. Ah, là, c'est bien. Donc, toi... Je vais me faire Théo... la même, donc ça va. Oui, oui, c'est... tu l'as fait deux fois. Tu l'as fait deux fois, s'il te plaît. Donc là, j'ai tout mon respect, mais je suis content. Quand t'arrives à ce moment-là, tu vois quelque chose que tu as déjà dû voir, peut-être dans les souterrains terribles des cathédrales du Dieu de la Lumière. C'est des sortes d'exorcismes qui sont produits sur des personnes qui ont du mal à maîtriser leur pouvoir ou leur savoir. Et tu vois la magie s'emballer sur le bras de Grunlec. Ça fait des années que tu le côtoies. Tu as déjà vu son bras s'emballer. Et tu sais aussi que la maîtrise de soi peut permettre à calmer aussi le bras. Et le bras qui fait partie intégrante de sa personne. Sauf que là, il n'a plus le contrôle sur lui. Très bien, je vais descendre du cheval. Je me dirige vers lui. Grunlec, tu peux réparer ton bras? Oui, bien sûr, tout de suite, tu fais ça. Non, sinon, mais tu veux mourir comment? Non, mais c'est pas mais ça. Je lève mon épée, je fais. Tu sais réparer ton bras? Oui, oui. Et alors, tandis que tu vois Grunlec, l'épée de Théo se lever et capter la lumière. De la foudre éclatée dans le ciel. J'ai deux solutions, mais les deux commencent par lever le bras par lever l'épée vers le ciel. Donc j'attends. Balance pas la foudre, attends, tranche-lui le bras. T'as pas besoin de rajouter la moitié de Zeus. J'ai deux solutions. Ou alors dans ce cas-là, je lève l'épée vers le ciel pour capter la foudre et je lui attrape le bras de l'autre main et je l'électrocute. Comme ça va lui faire revenir à ses esprits. Ou alors je coupe le bras, mais je préférerais ne pas lui couper le bras parce que autant il peut le réparer, autant ça va prendre un certain temps à le réparer et du coup il va se retrouver complètement inutile pendant quelques jours. Donc ça serait pas cool. Du coup je pense plutôt je vais lever l'épée vers le ciel, lui attraper le bras et faire appel à la foudre de nouveau. Très bien.